Portrait d'Isère, notre invité aujourd'hui, un chercheur qui a fait la une des médias le 12 novembre dernier. Souvenez-vous, les Isérois vivaient un moment historique, le regard braqué sur la mission Rosetta, alors que le robot Philae se posait sur la comète Tchoury, à 450 millions de kilomètres du Soleil et 600 millions de kilomètres de la Terre. Mission réussie pour les chercheurs grenoblois, directement associés à l'élaboration de deux instruments de mesure envoyés sur la comète. Directeur de recherche CNRS à l'Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble, il est responsable de l'instrument Concert, l'un des 11 instruments à bord de Philae. Nous recevons aujourd'hui Vlodek Kaufmann. 13h30, 14h, Michel Caron, France Bleu Isère. Et Vlodek Kaufmann est pressé de dire bonjour. Oui. Bonjour Vlodek. Bonjour. Alors je le disais, Vlodek Kaufmann, nous avons vécu, on peut vraiment le dire, un moment historique, hein, le 12 novembre dernier. Vous n'étiez pas à Grenoble, hein, puisqu'il y a il y avait une transmission de l'atterrissage de Philae en direct de la mairie de Grenoble. Mais vous étiez en Allemagne, à l'agence spatiale Darmstadt. L'ambiance était plutôt tendue. Oui, disons, j'étais à Darmstadt à partir de 10h du matin. On a préparé donc des expériences, parce que la sonde se séparait des Philae, ou plutôt Philae se séparait de la sonde à 8h30 le matin. Donc on savait, notre instrument fonctionnait, on le savait, on n'avait pas encore de données. Donc évidemment, on était légèrement tendu parce qu'on attendait le donné, on ne savait pas vraiment complètement comment les choses se passent. On a appris, quelques heures, je crois qu'il y avait midi, si ma mémoire est bonne, on commençait à voir des autres instruments qui observaient à partir de la sonde Philae qui descendait vers la comète. Donc on a vu les photos. Donc on savait que ça se passe plutôt correctement parce que les données étaient transmises, on voyait les photos. Et les données de mon instrument Concert, donc d'instrument qui était conçu à Grenoble, ont descendu vers 14h, on a eu des données. Donc, à ce moment-là, on savait que le Philae fonctionnait normalement, et Philae descendait sur une trajectoire qui était une trajectoire prévue, on peut dire. Tout va bien. Donc, on pouvait dire que tout va bien. Évidemment, les derniers moments, c'est-à-dire les moments d'accométage, disons, quand on se posait sur la comète, étaient plutôt imprévisibles, parce qu'au moment de la séparation, on ne connaissait pas la dureté de la surface. Oui. On ne savait pas si Philae va s'enfoncer, s'il va s'accrocher comme c'était prévu avec des harpons, ou si tout simplement il atterrisse à l'endroit où on pensait. Donc en fait, les choses se sont passées d'une manière un peu plus compliquée, dans ce sens-là que l'atterrissage s'est passé comme c'était prévu, la sonde a atterri à quelques dizaines de mètres de l'endroit où c'était prévu, ce qui est un succès incroyable, parce que bon, tout s'est passé quand même à 600 millions de kilomètres de la Terre. On a du mal à se figurer. Il y avait des manœuvres avant qui étaient extrêmement précises, et il faut savoir qu'à chaque manœuvre, il y a des erreurs. Oui. C'est inévitable. Donc du coup, le fait que la Philae, donc l'atterrissaire, s'est posé à quelques dizaines de mètres de l'endroit prévu, c'était un énorme succès. Quand on a dit s'est posé, donc vous avez peut-être vu à la télé, c'était transmis, tout le monde sautait de joie, on savait que ça atterrit, donc, etc. Après, on a eu quelques doutes, parce que les signaux de transmission entre Philae et la sonde ont été un peu perturbés, donc on commençait à comprendre que quelque chose se passe. En fait, ce qui s'est passé, Philae a rebondi. Ah oui. Il ne s'est pas accroché au sol. Le sol était très dur, la surface était dure, il s'est avéré. Il a rebondi, il est parti dans l'espace. Mais heureusement, il est parti à une vitesse de 38 cm par seconde, faible par rapport à la vitesse d'échappement, qui est 50 cm. Seconde. Donc c'était à la limite. Mais donc Philae a survolé la comète, a rebondi encore trois fois, et finalement il a atterri dans un endroit que nous ne connaissons pas exactement aujourd'hui. Donc, l'instrument Concert, donc l'instrument qu'on a conçu, a fonctionné après pour déterminer l'endroit où se trouve Philae, et on a déterminé une bande d'à peu près 200 mètres sur 20 mètres où l'atterrissaire
doit être. Mais on n'a pas de photo pour le moment, ni pas d'image de l'endroit où il est. Donc il est perdu, pas perdu, mais pas complètement localisé. Pas complètement localisé. On espère qu'en mars, il va se réveiller, parce qu'il y aura du soleil. Pour le moment, il dort. Oui, alors vous allez nous expliquer bien sûr tout ça, hein, ces réveils, ces hibernations. Vous n'avez pas pu vraiment assister à la liesse des chercheurs qui vous entouraient, parce que vous étiez en direct au téléphone à répondre aux journalistes de Grenoble. Oui, en fait, ça s'est passé comme ça, comme là, j'étais dans la salle, mais il fallait que je sorte de la salle pour pouvoir parler, donc j'ai trouvé un petit couloir de côté pour parler au téléphone, et je parlais directement au téléphone, en voyant quand même par les fenêtres vitrées qu'est-ce qui se passait dans la salle. Donc je pouvais voir, et bon. Mais c'est vrai que cette ambiance de joie, je parlais. Alors, on va revenir bien sûr sur cette mission Rosetta. Pourquoi cette mission? Comment cette mission? On en reparle, Vlodek Kaufmann, juste après Cindy Lauper sur France Bleu Isère. Et mon invité aujourd'hui est Vlodek Kaufmann, directeur de recherche CNRS à l'Institut de Planétologie et d'Astrophysique de Grenoble. Nous évoquons, Vlodek Kaufmann, la mission Rosetta, qui est d'explorer la comète Tchoury. On va peut-être commencer par la définition d'une comète, hein, on va aller dans l'ordre. D'accord. Une comète, c'est un objet céleste, on appelle ça le petit corps. Donc c'est des comètes et des astéroïdes qu'on voit traverser notre système solaire sur les orbites autour du Soleil. Et on voit souvent une très longue queue cométaire qui fait des centaines de milliers, millions de kilomètres de distance. En fait, une comète, c'est un tout petit objet, d'habitude, kilométrique ou une dizaine de kilomètres. Il y a des comètes un peu plus grandes, comme la comète Halley, qui est très connue, qui passe tous les 75 ans. Sur laquelle vous avez travaillé aussi auparavant, d'ailleurs. Oui, mais c'est des comètes qui ont des dimensions plus grandes, et dizaines de kilomètres toujours, mais les queues cométaires sont énormes. Alors, parce que qu'est-ce qu'on voit? On voit en fait l'atmosphère des comètes. C'est-à-dire la comète dégaze souvent de l'eau, disons des molécules d'eau, dégaze du CO2 et aussi des poussières. Et ces molécules diffusent la lumière, c'est pour cela qu'on voit une très longue queue cométaire. Ah, par contre, le noyau lui-même est très petit. Et l'objet d'étude des Rosetta, c'est le noyau. Aussi bien l'atmosphère, on appelle la coma, mais aussi bien l'atmosphère, mais en fait, essentiellement, on est concentré sur le noyau. Sur parce l'intérieur que... Et non, pas seulement, non. La surface, l'intérieur, les molécules qui sont dégazées, les poussières, les composés organiques. Donc on étudie la structure, la composition et les propriétés physiques d'une comète. Alors pourquoi cette étude? Bon, et pourquoi cette étude? En fait, pour comprendre, nous pensons que les comètes, ce sont des objets les plus primitifs dans notre système solaire. C'est-à-dire quand notre système solaire s'est créé, à ce moment-là, il y a donc des réservoirs, il y avait de la glace, des poussières, et donc on a la formation du Soleil, après on a la formation des planètes proches du Soleil, comme la Terre, Mars, après les planètes gazeuses, et aussi en même temps s'est formé les comètes. Il y avait des comètes qui sont dans des grands réservoirs autour du système solaire. C'est des réservoirs, ça s'appelle nuage d'Oort ou de ceinture de Kuiper. Donc, dans ces réservoirs, il y a des millions, des milliards de comètes de facto. Et ces comètes sont injectées dans notre système solaire proche, donc rentrent sur les orbites autour du Soleil, proche, et en passant près du Soleil, créent cet effet, ce spectacle cométaire avec une large queue qui faisait peur aux gens au Moyen-Âge, qui nous fait plus peur, mais bon, qu'on étudie avec intérêt pour comprendre, en fait, notre système solaire. Et c'est ça l'objectif de la mission Rosetta. En comprenant la composition de la comète, pour faire un petit peu simple, on peut peut-être comprendre l'origine de notre système solaire. Oui, oui, certainement. Et on peut comprendre peut-être d'où vient l'eau sur Terre ou sur d'autres planètes, et on peut comprendre les matériaux organiques primitifs qui ont peut-être été emportés sur Terre avec les comètes, avec le bombardement qui a eu lieu
au début du système solaire. Donc, ça nous permet effectivement de comprendre l'origine et l'évolution du système solaire. Alors, pourquoi avoir choisi la planète Tchoury ? Bon, on a choisi la comète Tchoury parce que c'était en fait la comète qu'on pouvait atteindre. En fait, comment ça s'est passé ? Quand la mission de Rosetta a été planifiée, on a défini une comète différente qui s'appelait Virtanen. Et on devait partir sur cette comète. Mais malheureusement, le premier lancement de l'Ariane 5, c'était un échec. La sonde a sauté dans l'air. On l'a vu d'ailleurs à la télé. Donc du coup, tout était retardé. Donc la comète Virtanen n'était plus accessible à la mission. Donc on a choisi la comète, parmi beaucoup d'autres comètes, qui était accessible, qui s'appelle Tchoury, donc Tchermev-Gerasimenko. Exactement. Oui, ça, Tchoury, je vous laisse prononcer. Qui s'appelle Tchoury, oui. Et donc, on a choisi parce qu'elle est accessible avec un parcours raisonnable qui est quand même de 10 ans. Donc, le voyage a duré à partir du lancement de Kourou jusqu'à arriver à la comète, c'était exactement 10 ans. Il y a 10 ans, oui. Donc, ça fait un long voyage avec des rebonds sur plusieurs planètes pour arriver à l'objectif. Donc on comprend un peu votre frilosité le 12 novembre. Ça marche pas quand il y a 20 ans d'études derrière tout ça aussi. Vous restez avec nous, Vladek Hoffmann. On fait une petite pause et puis on vous retrouve d'ici une minute sur France Bleu Isère. On évoquait la mission Rosetta avec, on se rappelle, l'atterrissage de Philae le 12 novembre dernier. Atterrissage réussi. Quels sont les aujourd'hui, alors que la mission Rosetta est toujours active, si je puis dire, hein, puisque la sonde Rosetta est toujours en orbite, hein, c'est prévu jusqu'en janvier 2016. Aujourd'hui, est-ce qu'on a des nouvelles du front, j'ai envie de dire Mais en fait, effectivement, on a des nouvelles tous les temps. Juste après l'atterrissage, l'atterrisseur a opéré pendant 70 heures, donc nous avons fait à peu près 80% du programme scientifique. Bon, le rebond nous a perturbé un peu, évidemment. Oui, c'est quand Philae s'est amusé à sauter, à revenir, aller faire un petit saut, se retrouver quelque part, finalement. Donc, ça nous a perturbé un peu, mais quand même, on a fait 80% des programmes scientifiques. Donc, c'est beaucoup. Donc, on est en train d'analyser ces données pour préparer des publications. Entre le temps, il y a quand même la sonde qui opère tous les temps. Elle opère depuis pratiquement 21 janvier, quand elle était réveillée. Et après, elle s'est rapprochée de la sonde et la comète s'est mise sur orbite autour des comètes et ça continue. Donc il y a énormément de mesures qui sont publiées. Récemment, il y a eu plusieurs publications en science qui ont été publiées. C'est une moisson des données scientifiques concernant la comète, concernant le système solaire. Et ça va continuer encore pendant une année. Ah oui. Oui, jusqu'à 2016. Et la mission, si elle continue, si elle marche très bien et si on a suffisamment d'énergie, elle sera prolongée au-delà, des quelques mois au-delà. Voilà, donc. Affaire à suivre, hein, comme dirait. Je pense qu'il y a affaire à suivre et regarder dans des journaux, il y a souvent des informations dans Le Monde, dans Dauphiné aussi, informant sur des sites internet, informant ce qu'on découvre, ce qu'on trouve, parce que c'est intéressant pour les grands publics, je pense. Et en sachant que nos chercheurs grenoblois sont directement impliqués, vous en êtes la preuve incarnée aujourd'hui, Vladek Hoffmann. Comment vous êtes-vous intéressé aux planètes, Vladek Hoffmann? En fait, c'est une évolution. Quand je suis arrivé en France il y a 46 ans, à peu près. Oui, parce que vous êtes né en Pologne, on peut le préciser. Je suis né en Pologne, exactement. Et au départ, je travaillais au commissariat d'énergie atomique, ici, au LETI. Je faisais ma thèse, je travaillais sur ce qu'on appelle analyse traitement des signaux. Après, je commençais à faire de la physique. Et je faisais la physique de la haute atmosphère. Donc j'étudiais la haute atmosphère au-delà de 100 km jusqu'à 1000 km au-delà de Terre. J'étudiais les aurores boréales. En Alaska, en Norvège, Vous bougez beaucoup, il y a son siège qui grince. En Norvège, voilà. Donc pendant plusieurs années, je m'occupais d'un grand système international. En fait, c'est un des premiers projets vraiment européens, où il y avait 6 pays européens qui ont construit des grands radars pour observer l'atmosphère. Donc je travaillais avec ça. Et après, je me suis orienté vers l'application de ces méthodes sur les planètes, sur Mars. Donc on a des missions actuellement qui volent sur Mars et qui utilisent les radars pour pénétrer dans la subsurface. On pénètre jusqu'à 4 km de la subsurface.
Donc on exploite ces données, et en même temps, il y avait la mission Rosetta, d'où on a proposé notre expérience concert. C'est une expérience tout à fait nouvelle. C'est une première mondiale. Et cette mission s'apparente à l'événement des premiers pas de l'homme sur la Lune. Oui, l'atterrissage, oui. Je pense que oui. Parce que c'est effectivement le fait de la comète, de se poser sur la comète, c'est un exploit technologique de l'Agence spatiale européenne et scientifique, parce qu'on a énormément moisson de données. Voilà, donc je me suis orienté vers la planétologie depuis une quinzaine, vingtaine d'années, et je travaille dans ce domaine depuis ce moment-là. Et pourquoi Grenoble ? Alors, pourquoi Grenoble ? Bon, en fait, en quittant la Pologne, j'étais réfugié politique en France, et j'avais une bourse pour faire une thèse. Je savais qu'avec cette bourse, qui était quand même assez faible, je ne pouvais pas vivre à Paris. Et je connaissais Grenoble parce qu'en 67, j'étais à Grenoble. J'avais un stage, pas à Grenoble, mais à Saint-Étienne. Et j'étais une journée à Grenoble. Je buvais du café sur la place Victor Hugo, des cafés de la paix. Et après, je suis allé à La Fraye. C'était une ville qui, dans les années 70 s'est développé d'une manière extraordinaire. Donc du coup, on m'a proposé de faire une thèse au CEA. Donc je fais une thèse au CEA. Je commençais par ça. Après, j'évoluais vers d'autres activités scientifiques. Voilà. Et vous n'avez pas quitté Grenoble ? Je n'ai pas quitté Grenoble. Parce que le café du Café de la Paix vous a beaucoup plu. Place Victor Hugo. Oui. Vous restez avec nous, hein, comme quoi les vies. Hein. Vous restez avec nous, Vlodek Hoffmann. Ça va être le moment de la question à l'invité. On va retrouver un ami chercheur. Ce sera juste après Vincent Niclot sur France Bleu Isard. Et c'est le moment de la question à l'invité. Vlodek Hoffmann, vous avez choisi un ami et lui-même chercheur, ancien chercheur, c'est Daniel. Il est là au téléphone. Bonjour Daniel. Bonjour. Alors, bonjour Daniel. Bonjour Vlodek, bonjour à tous. Vous aviez une question à poser à votre ami, justement, que vous connaissez depuis de nombreuses années. Allez-y, il vous écoute. Eh bien, bonjour. Oui, ma question relève d'une curiosité, peut-être un peu trop anticipée. C'est la suivante. Après l'exploit de l'avoir envoyé Rosetta et d'avoir fait atterrir Philae sur la comète, hein, et d'avoir recueilli de nombreuses données, je voudrais savoir si, après l'examen tout à fait superficiel et rapide de ces données, qui ne fait que commencer en fait, je voudrais savoir si on peut, sur le plan scientifique, considérer que ces données vont nous apporter des réponses tout à fait passionnantes aux questions qu'on se posait, ou bien si, malgré tout, c'est encore que le début et qu'il faudra recommencer des opérations pour en savoir un peu plus. Voilà, c'est ça ma question, enfin un peu plus sur l'origine du système solaire, sur toutes ces choses dont on cherche à connaître les détails de façon plus précise. Il est pressé de savoir, Daniel. Alors, Vlodek Hoffmann, est-ce qu'on en sait un peu plus d'ores et déjà ? C'est vrai qu'on est au balbutiement encore. Oui, pas vrai, oui, ça dépend. Ils ont la sonde a énormément de données qui sont, il y a les premières analyses qui ont été publiées, évidemment, qui vont continuer. Donc, il y a déjà beaucoup de découvertes, en fait, concernant la science cométaire, concernant les matériaux organiques qu'on trouve, concernant même, par exemple, l'énorme porosité de la comète qui représente plus que 70%, c'est quand même une surprise pour les scientifiques. Il faudrait expliquer et comprendre ce matériau. Pour ce qui concerne Philae, il y a beaucoup de mesures qui ont été faites, aussi bien des mesures type spectrométrie de masse, mais c'est peut-être un peu compliqué. Oui, on va rester donc simple. Voilà, et l'instrument concert dont je suis responsable a fonctionné. On a des belles données qu'on est en train d'interpréter. Et on espère que la sonde et le Philae va se réveiller, que l'atterrissaire se réveillera en mars, avril, et qu'on pourra continuer nos expériences après, jusqu'à la fin de la mission. Voilà. Bon, en fait, on peut dire que pour l'instant, c'est mission réussie, cette mission Rosetta. Daniel, vous devrez être encore un petit peu plus patient, hein, mais on vous tiendra au courant. Merci. Je n'ai pas beaucoup d'années devant moi. Oh, que dites-vous ?
Merci beaucoup en tout cas Daniel, passez une excellente après-midi, merci de votre intervention. Merci Vlodek Kaufmann de nous avoir fait rêver avec la mission Rosetta. On peut réécouter bien sûr cette mission sur francebleu.fr. Au revoir à vous.